déjà fait avant, j'avais mis ça avec jardin. Il me le faisait quand même, ronger les portes. Bon, je sais que c'est rongé, c'est terrier, je sais que ça ronge. Et il a tout. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et peu quand, moi, peu quand moi, je m'en vais. Il sort. Ouais. Trois fois par jour. Le matin, de bonne heure, c'est grande balade de 2 heures. Ouais. Ensuite, il ressort vers 11h, 11h30. Les peurs, on descend. Une demi-heure. Trois quarts d'heure. Et le soir, après, encore bien 1h, 1h30. Et des fois, c'est des extras. On continue 2h après le jour, vers 10h, de 10h à minuit. Bon. Là, vous lui mettez pourquoi là? Non, mais sinon, si je peux y enlever, je l'enlève. Hein. Alors, je vais aussi pour le moment. Comme j'ai une femelle en chaleur, en fait, tu dois... Bon, regardez ce qu'on va faire. Au niveau obéissance, ça donne quoi, la marche au pied? La marche au pied, il la connaît. Mais il le fait mieux sans la laisse qu'avec la laisse. Bon, j'ai un petit peu de difficulté. Là, si le coucher... Quand il veut bien, quand ça, je vais lui dire, ouais. Je vais lui dire, je vais tester. La pourrie, ça va. Et... Faites un petit tour. Revenez vers moi. C'est pas moche? Non, tout ça. C'est pas mal. Mais tout est lié en fait, si vous voulez. Le fait qu'il démonte à la maison, c'est qu'il y a des défauts à côté. Donc il faut que je vois les défauts. Après, on précise le chien. Vous voyez, le fait qu'il couine aussi, il n'est pas patient. Donc forcément, il ne va pas vous attendre. Ah non, il est hyperactif. Il faut le rendre. Faut le canaliser, quoi. Il a trop d'énergie en fait. Pourtant, je le fais courir tous les week-ends. Mais c'est pas une énergie de physique, c'est une énergie mentale. Parce qu'on peut le fatiguer, donc il va être défoulé physiquement, mais mentalement il est encore là. C'est costaud, hein. Et c'est ça qui fait qu'il couine, il tourne en rond, il reste pas sur place en fait. Donc ce qu'on va faire, vous allez enlever le collier, vous allez me mettre celui-là à la place. Ça vous pouvez le mettre, le collier étrangleur, il faudra le virer à la place. Non, il a un collier comme ça, moi. Ben voilà, mais t'as un collier comme ça. Il m'en a pété deux. Ça, c'est des colliers en biotane. Ça prend pas l'eau, ça se déchire pas. C'est incassable, ça coûte 14,50 et ça dure une éternité. Enfin, bon, moi, je travaille qu'avec ça. Il m'écoute pas, il a pas le rappel. Ouais, mais de toute façon, je vais pas le lâcher. Hein. Lui, il décidait chaque mouvement, chaque centimètre, chaque truc. Je m'arrête, faut qu'il s'arrête. Si je m'arrête, il continue. Hein. Lui, il analyse juste que c'est libre. Trop libre, et bah lui, après, il fait le con. Ça veut dire quand on lui dit tu restes là, tu ne bouges pas, quand vous partez, ben bah, voilà. Il faut tout canaliser, en fait. Yes. Hop. Assis. Hop. Assis. En fait, je prête pas attention à ses mouvements. Même si c'est super chiant, s'il calcule pas comme ça, au bout d'un moment il va s'arrêter de le faire parce qu'il cherche à déstabiliser, à essayer de remettre. Parce que là je lui fais chier, c'est normal, ça lui apprend. Ah, viens ici, viens ici, assis, appelez-le pour moi. Pas bon. Allez, va. Voilà, caressez-le. Allez, assis, pas bouge, appelez-le, pas bouge, tapez des mains, pas bouge, pas bouge, allez, va, allez, vous voyez, il attend le commandement, et pour prendre le contrôle, c'est le contrôle.